L'archidiocèse de Sherbrooke est votre guide durant la balade des clochers. À l'église Sainte-Agnès de l'Arc-Mégantic, la verrière impressionne dès le premier coup d'œil. Dans cette église, construite entre 1903 et 1913, le style néo-gothique y est à l'honneur grâce aux plafonds voûtés et aux fenêtres en ogive. L'apparence moderne des lieux provient de la grande réforme qu'a connue l'église au cours des années 1960. Les bancs, à l'allure plus sobre, ont alors été installés et les dorures ont été atténuées. La verrière, installée en 1912, demeure un témoin privilégié et serait le plus ancien vitrail de style néo-gothique au Canada. L'œuvre colossale, conçue en Angleterre en 1848, représente l'arbre généalogique de Jésus. L'église Sainte-Agnès a été consacrée en octobre 2013, trois mois après la tragédie ferroviaire qui a secoué la ville. L'église poursuit sa mission de rassembler, mais aussi de conserver la mémoire de 47 disparus, dont le nom est gravé sur le mémorial. Découvrez ces belles richesses durant la balade des clochers.